Bonjour tout le monde. This is a remote learning initiative by Sheth Vidya Mandir High School Vasai. Myself Shikta Pethe. This video is for class 8, chapter number 8, Où allez-vous? Video part 2. So let's begin. Lesson with Où allez-vous means where are you going or where you go. Okay, now in the previous video we have learnt about the preposition of the places. Okay, now in this we'll be doing the chapter. Des amis discutent de leur plan pour les vacances qui arrivent. Okay, now the here some friends are discussing about their plan for the vacations which is going to arrive. Camille, les vacances arrivent. Quels sont vos plans pour les vacances? Adeline, moi. Je vais chez mes grands-parents à la campagne où je fais des activités. Okay, now Camille is asking that what are your plans since the vacations are arriving. So what are your plans for the vacation? Adeline is saying, moi, je vais chez mes grands-parents. Means I am going to go to my grandparents à la campagne. Campagne is the countryside. Où je fais beaucoup d'activités, where I am going to do major of the activities. Daniel, pourquoi vas-tu à la campagne? Why are you going to the countryside? Adeline, parce que j'aime la beauté de la nature. Because I love the beauty of the nature. Et je m'amuse à faire des activités. And je m'amuse means I enjoy myself to do the activities comme nourrir les animaux. Nourrir les animaux means feed the animals, faire du jardinage is to do gardening, et jouer dans les champs avec mes cousins and to play in the champ. Champ is like a field with my cousins. François, tu as de la chance, you are lucky. Adeline, tes grands-parents habitent à la campagne. Adeline, connaissez-vous l'Inde? Means, do you know the India? Je vais en Inde avec ma famille. I go to India with my family. Daniel, oui, c'est un pays incroyable. Yes, it's a country incredible. Il y a des monuments et beaucoup de diversité. There are lots of monuments and there is a diversity. Ma mère a une amie indienne. My mother is having an Indian friend. François, pendant les vacances, je vais à Paris avec mes cousins. Now, who is saying this? François is saying that during the vacation, I am going to Paris with my cousins. Cette idée est vraiment bonne. Now, this idea is going to be really good. Adeline, et toi, Daniel, où vas-tu? And Daniel, where are you going? Daniel, je vais au Canada pour passer mes vacances avec mes parents. Now, I am going to visit Canada for spending the vacation with my parents. Camille, amusez-vous et n'oubliez pas de donner de vos nouvelles. Means what? That you enjoy and you do not forget of giving the news from that area or that country. Au revoir. So, tout ensemble is everyone together saying au revoir. Okay. Now, comment est l'Inde? And l'Inde est un pays incroyable. Pourquoi Adeline va-t-elle à la campagne? Adeline va à la campagne parce qu'elle aime la beauté de la nature. Où François va-t-il? François va à Paris. Avec qui Daniel va-t-il où? Daniel va au Canada avec ses parents. Now, it is based on the comprehension, so you all have to write down the answers. Contraire d'avec is sans, that is without. Avec is with, so sans is without. The contraire d'envoy, envoy is to send, so recevoir is to receive. Litre faux, pendant les vacances, François va à Lyon. During the vacation, France is going to Lyon, it's faux. Adeline aime faire des jardinages, vrai. La mère de Daniel amie indien, faux. Because that wasn't friend feminine, okay? So it has to be ami and the end. So for that reason, it is faux. Les grands-parents d'Adeline habitent à Paris, faux. Because they are living where? You have to search from the comprehension and get it. Adeline va en Inde pour passer ses vacances, faux. Adeline n'aime pas jouer dans les chambres, faux. Daniel va au Danemark pour passer ses vacances, faux. Because he's going to Canada. Okay, so we'll be meeting in the next video. Chalo then, till then,
और अब यहाँ तो